Nang's Reborn. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Yasuban. Ce que nous allons voir ici, ça va vraiment vous aider. C'est un truc hors du commun, mais c'est bien réel. Waouh! Une femme va nous expliquer comment elle a échappé à une arnaque pas possible. On va dire un vol, une stratégie que quelqu'un a mis en place pour la voler en fait. Quelqu'un est venu nous présenter 200 000 francs. Mais en réalité, c'était 100 000 francs. Donc la personne avait quoi? 100 000 francs. Mais elle a fait quelque chose pour multiplier cette somme-là, pour atteindre la somme de 200 000 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la stratégie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Soyez prêts. Comme vous le voyez à l'écran, c'est de ça que je vais vous parler. Là, elle tient ses billets dans la main et elle va essayer de nous montrer comment elle a failli se faire avoir. Regardez ça. Par exemple, 100 000 francs, 5 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 000, 10 billets. Légumes, un arnaqueur, puis, il a été frotté 20 000. Là, elle va nous montrer maintenant comment elle a failli se faire avoir. Comment une personne peut transformer une somme de 100 000 francs en une somme de 200 000 francs. Et regardez ce que ça donne. Il faut tout simplement plier le billet en deux et le positionner comme si c'était un billet normal. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ça? Vous voyez l'arnaque? La super chérie du diable. Waouh. Aïe aïe aïe, pliez le billet en deux et quand vous placez, qu'est-ce que ça donne? Regardez bien. Okay. Et on met les deux billets comme moi là-dessus. Ici, comme ça. On peut aussi plier deux billets qu'on met en dessous. Comme vous pouvez le voir, et ça peut donner une somme de 200 000 francs. Hein? Quand vous prenez le billet et que vous voulez compter comme elle a été de le faire, ça va vous donner forcément 200 000 francs. Mais si vous enlevez les billets, billet par billet que vous remuez et que vous placez, vous commencez à compter one by one, l'un après l'autre, vous allez trouver le problème de cette histoire. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux grandement ouverts. Souvent les gens sont pressés, tout le temps de pressés, ils ne savent pas contrôler certaines choses. Pour ne pas que vous tombez dans de telles arnaques, nous avons décidé de faire cette vidéo. Regardez très bien, on va juste revenir en arrière. Regardez comment ça s'est passé, regardez très bien. Waouh! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voici ce que j'aimerais vous montrer. Quand vous avez vu le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment un monde hors du commun. Et il y a tout ici. Pendant que vous travaillez dur pour pouvoir avoir ce que vous devez avoir, il y a des gens qui réfléchissent sur comment vous mettre dans les problèmes. Ah!
Quelqu'un fait son business, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'encourager. Mais de ça encore, certaines personnes vont s'imaginer des trucs pour venir la mettre dans tous les problèmes. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut veiller et prier. Il faut avoir les yeux grandement ouverts. Grandement ouverts, il ne faut pas se laisser distraire. Parce que ce monde est vraiment dangereux. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urban et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Names Reborn.